À cette conférence, les communes au cœur de la transformation sociale et écologique, une conférence de la Fondation Heinrich Böll, bureau de Paris, en partenariat avec la maire de Strasbourg, qui est aussi déjà là avec nous. Bonsoir, Jeanne Barsekian, ainsi que déjà les autres intervenantes et intervenants que je vais présenter plus tard. Avant de commencer avec un mot d'accueil de la présidente de la Fondation Heinrich Böll. Elle est l'Ubagère, juste quelques remarques techniques que je vais faire en français. Vous pouvez aussi le voir devant vous, mais c'est important. Il faut choisir un canal, votre langue, et il ne faut pas seulement choisir une langue, ce canal, mais ce qui est très important, vous avez aussi là où vous pouvez choisir le canal de la langue, avec votre langue, aussi la possibilité de cliquer sur couper le son original. Ça, c'est important parce que sinon, ça va pas vraiment marcher. Et vous allez entendre peut-être deux voix en même temps et tout ça. Donc, ça, c'est juste une remarque technique qui est importante. Maintenant, j'aimerais directement commencer avec notre conférence et avec un mot d'accueil de Hélène Hubergère, présidente de la Fondation Heinrich Böll, qui fait ce mot d'accueil depuis Berlin. Hélène, c'est à toi. Oui, merci beaucoup Jens, merci pour cette introduction. Bienvenue à tous, bienvenue à tous nos invités, à tous nos spécialistes, à tout le public. Bienvenue à cet événement. Nous aurions adoré pouvoir nous rencontrer à Strasbourg, mais au moment où nous avons commencé à organiser, on ne pouvait pas prévoir que la situation s'améliorerait si rapidement. C'est la raison pour laquelle nous nous réjouissons que ce premier événement donc puisse avoir lieu en ligne. Et pour parler des villes ou des communes, eh bien, qu'y a-t-il de mieux que d'avoir comme arrière-plan la ville dans laquelle je vis, pas aussi grande que Paris, mais certainement comparable à celles qui sont représentées aujourd'hui. Alors, nous partons du principe que début novembre, nous pourrons nous rencontrer en présentiel à Strasbourg pour approfondir la question. Alors, le sujet de notre rencontre d'aujourd'hui, ce sont les communes au cœur de la transition sociale et écologique. Et nous nous réjouissons de pouvoir organiser cet événement en coopération avec la maire de Strasbourg, Madame Barsegian. Merci beaucoup. Pourquoi les communes sont-elles si importantes? Pendant la pandémie, on a vu à quel point en Europe, la vie se concentrait sur les communes. Il fallait que les soins, que les services sanitaires fonctionnent, que la mobilité fonctionne, les infrastructures, qu'il y ait des possibilités de faire des courses. Et c'est dans les communes, en fait, que la vie des citoyens s'est faite. Et donc, les communes sont véritablement les vecteurs de nos vies en Europe. On a vu que les infrastructures étaient fermées, les écoles, il y avait du chômage technique, il y avait des liaisons ferroviaires limitées. Mais d'un autre côté, on a assisté à un véritable boom des vélos dans ma ville, mais je crois dans d'autres villes aussi. Et là, brusquement, en plein milieu de la crise, de nouvelles possibilités ont vu le jour. Donc maintenant, il faut sortir ensemble de la crise. C'est ce que veut l'Union européenne avec le fonds de relance européen. Certaines mesures ont déjà été prises, à savoir, il y a des investissements qui sont prévus, mais qui seront liés à des critères écologiques et numériques. Et puis, on le voit par ailleurs. Le fonds de relance laisse encore à désirer en matière de développement durable. Donc, les préoccupations locales doivent être au centre de l'Europe et il faut véritablement que la relance et les investissements soient liés à l'écologie, à la justice sociale. Et donc, les municipalités, les communes, les villes doivent être des moteurs de la transformation sociale et écologique. On le voit d'ailleurs, il y a des grandes villes où il y a déjà des projets très réussis
en Europe. Milan, nous allons l'entendre tout à l'heure, comme Berlin, a mis en place beaucoup plus de pistes cyclables. D'autres se sont plus penchés sur la transition énergétique. Beaucoup de choses ont été mises en place. Mais ce qui est important maintenant, c'est d'arriver à la véritable transformation. Nous le voyons à l'échelle nationale, cela vaut pour l'Allemagne aussi. Les infrastructures, au cours des dernières années, en fait, ont été frappées d'usure. Il y a des ponts qu'on ne peut plus emprunter. Des écoles, par exemple, souffrent d'un manque de maintenance. Donc, il y a véritablement des investissements nécessaires d'au moins 150 millions d'euros pour l'Allemagne, des investissements qui s'imposeraient, si on calcule ça à l'échelle européenne, ce serait encore beaucoup plus important. En Allemagne, on a une loi pour la protection du climat, mais qui ne permet pas d'atteindre les objectifs climatiques. On le voit aussi en France avec la loi Climat et Résilience, dont on se demande si elle permettra d'atteindre les objectifs fixés. Donc, les législations sont là, les réformes sont mises en place, mais elles ne permettront certainement pas pour arriver à cette véritable transformation. Beaucoup de jeunes gens, surtout en France, en Allemagne, en Italie, ont manifesté pour demander des réponses conséquentes contre le changement climatique et pour demander plus de justice sociale. Et une fois qu'on sera totalement ressorti de la pandémie, que les grandes manifestations seront possibles de nouveau, les jeunes redescendront dans la rue. En France, 81% des citoyens pensent qu'il faut des règles climatiques plus strictes afin de préparer l'avenir, afin d'atteindre les objectifs nationaux jusqu'en 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. En Allemagne, ils sont 76%, ce qui signifie que la majorité des Européens veulent une politique climatique plus ambitieuse. Il faut plus d'engagement, plus de participation des citoyens, des citoyennes. Et les communes sont l'endroit idoine pour le faire. Quand on a par exemple une vague de chaleur, une canicule, ce sont les communes qui veillent par exemple à ce qu'il y ait de l'eau, est-ce que les climatisations fonctionnent. C'est elles qui veillent aux infrastructures. C'est la raison pour laquelle il est si important que pendant ces 2 jours de rencontre, nous nous concentrions sur la question de savoir comment la transformation peut fonctionner au plan local, si elle doit être conçue de façon cohérente sur le plan écologique, social et économique. Quels sont les projets réussis? Quels sont les projets qui nous permettront de tirer des enseignements en tant qu'Européens? Quels sont les leviers? Quels sont les pouvoirs des communes? Alors, elles ont, selon les pays, un certain pouvoir à l'échelle nationale, mais quels leviers ont-elles à l'égard de Bruxelles afin que le pacte vert européen soit un succès? Voilà les questions auxquelles nous allons nous consacrer aujourd'hui. Je me réjouis de la discussion qui nous attend. Je pense que la discussion va être stimulante, axée sur l'avenir et très enrichissante. Alors, encore une fois, un grand merci à Jeanne Barseguian, maire de Strasbourg. Merci pour l'excellente coopération lors de la préparation de la conférence. Et merci à Jens Althoff et Jules Hébert de notre bureau à Paris, car c'est eux qui se sont occupés de mettre sur pied cette conférence sur le fond et sur le plan de l'organisation. Et c'est avec plaisir que je redonne la parole à Jens Althoff pour notre premier panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Hélène Hubacher, la présidente de la Fondation Heinrich Böll, pour cette mot d'accueil et en fait une vraie introduction, justement directement au sujet de notre premier panel, qui est le début de cette conférence qui se déroule ce soir et demain matin. Et le sujet de ce premier panel, c'est les villes actrices majeures de la transformation écologique et sociale. Et il me semble qu'on a vraiment un panel extraordinaire, un temple ronde extraordinaire avec des panélistes qui peuvent vraiment nous éclairer sur cette question. Je suis très, très heureux d'avoir ici parmi nous ce soir Hilim Arslan, la présidente du conseil municipal de Francfort, Jeanne Barseguian, la maire de Strasbourg, c'était déjà dit. Et aussi, ça, je trouve c'est aussi extraordinaire qu'on n'a pas seulement une perspective franco-allemande, mais aussi on a l'Italie avec
la deuxième ville de l'Italie et le centre économique le plus important, et le maire de Milan, Giuseppe Sala. Et on a aussi, avec Bruno Bernard, le président de la métropole de Lyon. Et ça, c'est aussi pas par hasard, parce que justement, Lyon, Milan et aussi Francfort, ils sont jumelés entre eux, tous les trois. Donc, c'est aussi que Lyon est aussi jumelé avec Milan, et pas seulement aussi les deux avec Francfort. Donc, je crois là aussi, on a quand même vraiment une occasion pour parler des coopérations et des projets possibles. Maintenant, j'aimerais directement commencer avec le panel, avec la discussion. Et chaque fois que je donne la parole à l'une des intervenants et intervenantes, j'aimerais aussi très brièvement les présenter. Et je vais justement les faire que côté français, je vais présenter en allemand. Côté allemand, je vais présenter en français. Et aussi, cher monsieur, notre le maire de Milan, je vais bien sûr aussi le faire en français. Donc, j'aimerais bien commencer là avec Jeanne Bercy. Jeanne Barsikian, nous nous réjouissons que vous soyez ce soir parmi nous. Vous êtes maire de la ville de Strasbourg depuis l'été dernier, depuis la vague verte de l'année dernière, où plusieurs grandes villes ont été remportées par les Verts et notamment la ville de Strasbourg, une des plus importantes conquises. C'est une capitale européenne, c'est aussi une capitale de la région Grand Est. C'est difficile à traduire en allemand parce que ça donne un titre un peu moche, mais Grand Est, ça passe très bien. Vous êtes spécialisé dans le droit de l'environnement, vous avez également fait des études en Allemagne, vous parlez parfaitement allemand. Et vous avez également fait une formation de conseiller en environnement. Et depuis peu, vous êtes également coprésidente de l'association des villes prêtes à l'accueil, donc les villes qui sont prêtes à accueillir des réfugiés. Et nous nous réjouissons de cette coopération entre la ville de Strasbourg et notre fondation. Et j'aimerais que vous nous disiez, dans quelques termes généraux, comment les communes peuvent faire avancer la transition sociale et écologique. Jeanne Barsikian, vous avez la parole. Est-ce que là, vous m'entendez? Alors, encore une fois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien? On vous entend. Parfait. Merci beaucoup. Ça y est, c'est bon? Parfait. Je reprends. Donc, vous dire que je suis ravie, que je remercie la Fondation Heinrich Böll pour l'organisation de ces premières tables rondes en visioconférence, et que je serai évidemment très heureuse de vous accueillir et d'accueillir de nouveaux événements à Strasbourg. C'est planifié, ça a été dit, pour le mois de novembre, je crois, on aura l'occasion d'y revenir. Et juste, je salue très chaleureusement l'ensemble des collègues, évidemment de Lyon, cher Bruno, mais aussi de Milan et de Francfort, des villes avec lesquelles soit nous avons déjà des coopérations et des échanges, soit on aimerait bien en avoir davantage et les intensifier. Donc c'est extrêmement riche et je ne vais pas trop m'étendre, mais j'accueillais ce matin des délégations d'autres villes européennes, et notamment Bruxelles et Copenhague, et je dois dire qu'à chaque fois, les échanges entre villes sont extrêmement riches et nous permettent vraiment d'avancer. Et donc, j'en viens au sujet qui est celui de la table ronde sur la transformation écologique et sociale. Et je ne dis pas ça parce que je suis élue
et maire de Strasbourg, mais vraiment, je suis de plus en plus convaincue que c'est l'échelon local qui permet d'engager une transformation majeure. Et a fortiori, quand il s'agit de grandes villes, voire de métropoles, comme celles qui sont réunies ce soir, eh bien, nous avons des leviers d'action qui sont extrêmement forts à notre disposition et des compétences, voire des moyens qui, quand ils sont bien orientés vers les objectifs de la transition écologique et sociale, eh bien, peuvent avoir un impact extrêmement fort sur le quotidien des personnes, mais aussi sur la transformation des territoires. Et évidemment, a fortiori, si nous travaillons de manière connectée, interconnectée, en réseau et notamment à l'échelle européenne. Donc à Strasbourg, j'ai porté avec mon équipe un projet autour de trois piliers. Le pilier écologique et de réponse à l'urgence climatique, le pilier social dans la lutte contre les inégalités et le pilier démocratique et de participation citoyenne autour d'un renouveau de la participation citoyenne dans notre ville. À chaque fois qu'on parle de transition écologique, on fait systématiquement le lien avec les questions de justice sociale et avec les questions démocratiques. D'abord parce que les inégalités sont criantes dans notre ville et notre métropole, comme c'est le cas dans un certain nombre d'autres métropoles européennes. Strasbourg, ce n'est pas forcément l'image qu'on en a, et l'une des métropoles les plus inégalitaires en France, avec un quart des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, des grandes poches de pauvreté et des écarts de revenus qui se creusent. Et donc, penser la transition écologique sans avoir cela en tête, c'est évidemment, ce serait un écueil assez délétère et qui risquerait d'exclure encore plus. Et puis, la question démocratique, parce qu'évidemment, une politique écologiste, si elle porte une transformation profonde, elle ne peut pas être une transformation profonde qui vient du haut et qui s'impose sans adhésion. Et donc, je pense très important de travailler main dans la main avec l'ensemble des acteurs du territoire et évidemment, en premier lieu, avec l'ensemble des habitants. Ceci étant dit, pour vous donner quelques exemples des actions engagées depuis le début du mandat à Strasbourg, les priorités donc sont claires autour des trois piliers que je viens de citer et une volonté d'agir très fortement dans le domaine des mobilités. Là, je parle de compétences qui relèvent davantage de la métropole, mais à Strasbourg, le projet de la ville de Strasbourg et le projet de la métropole sont très intégrés. Donc, nous avons, y compris dans notre gouvernance, un projet très cohérent entre la ville et la métropole, avec une priorité de mandat donnée au domaine des mobilités. Donc, ce sont des investissements extrêmement conséquents, en tout cas pour la taille de notre métropole. Évidemment, j'imagine que par rapport à Lyon, ce sera peut-être des chiffres qui paraîtront plus bas, mais nous investissons pour ce mandat 500 millions d'euros pour les mobilités à l'échelle de la métropole, avec la volonté d'interconnecter les gares des trains, donc tout le réseau ferroviaire, de nouvelles extensions des lignes de tram, de nouveaux bus à haut niveau de service et un réseau express cyclable. C'est 100 millions d'euros sur le réseau express cyclable et donc un investissement multiplié par 5 par rapport au dernier mandat pour avoir un véritable maillage efficace. Donc les mobilités, c'est un des grands axes de transformation du territoire et qui nous permet aussi d'accompagner la transformation urbaine. Pour ne pas être trop longue et laisser ensuite la place à l'échange, deux autres domaines très importants et dans lesquels le changement d'échelle sera massif: la végétalisation de la ville avec un plan canopé et la plantation d'arbres, de 10 000 arbres à l'horizon 2030. Donc, plan canopé qui a déjà été engagé, 1 000 arbres plantés dans cette première année, des cours d'école végétalisés. Si on continue au rythme que nous avons amorcé, eh bien, toutes les cours d'école auront été végétalisées d'ici la fin du mandat. Et évidemment, la mise en place de corridors écologiques et la reconquête de ce qu'on appelle la ceinture verte autour de Strasbourg. Et dernier domaine, et je m'arrêterai là,
la rénovation thermique des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments publics ou des logements privés, avec un objectif de notre plan climat de rénover 8000 logements par an. Aujourd'hui, on en est très loin. Et donc, cette première année, on est autour de 3000 logements rénovés par an, surtout dans le parc social. Et la marche la plus grande à franchir concerne les bâtiments publics et les copropriétés dégradées. Et donc, cette première année a été beaucoup consacrée à la mise en place de toute l'ingénierie financière et technique pour pouvoir massifier et mettre en place ce changement d'échelle dans la rénovation thermique, avec toutes les incidences que ça peut avoir dans le monde économique. Mais je m'arrête là pour ne pas être trop longue dans cette première prise de parole et je laisse la place à mes autres collègues. Merci beaucoup, Jeanne Barsetian, pour cette première aussi intervention sur le sujet. On va bien sûr continuer justement vraiment d'avoir le débat. C'est pas mal de points que vous avez déjà évoqué, et j'aimerais continuer avec le maire de Milan, Giuseppe Sala. Giuseppe Sala, il est le maire de Milan depuis 2016, et il est justement en ce moment, il a aussi remarqué ça avant, il est dans un double rôle, parce qu'il est le maire, et il est aussi le candidat pour les élections municipales qui vont se dérouler en septembre et en octobre à Milan. Donc il est là aussi en pleine campagne électorale en ce moment. Et il était avant aussi un candidat indépendant, mais soutenu par une alliance des forces de centre-gauche. Mais là, il est maintenant aussi membre du mouvement Green Europe, Europe Vert, donc aussi un candidat de ce mouvement. Et Milan, ça, j'imagine, vous le savez déjà, la plupart de vous, c'est la deuxième ville de l'Italie. Et ce n'est pas seulement la deuxième ville, mais c'est aussi le centre économique le plus important de l'Italie et la capitale de la Lombardie. Et Giuseppe Sala, avant, il était le directeur de l'exposition universelle de Milan de 2010 à 2015. Et avant cela, il travaillait comme cadre dans des entreprises comme Pirelli et Telecom Italia. Et lui, il a fait des études d'économie et de business administration. Monsieur le maire, Sala, c'est à vous avec cette première question. Comment et quel rôle peut jouer une ville comme Milan? Qu'est-ce que vous pourriez faire dans une ville et avec une ville comme Milan pour faire avancer la transition écologique et sociale? Giuseppe Sala, c'est à vous. Merci beaucoup, un grand merci à la Fondation et merci à tous les collègues et participants. C'est un moment qui est exceptionnel sur le plan des difficultés, mais aussi parce que cela nous offre beaucoup d'opportunités. Alors, le terme « opportunité » actuellement est difficile à dire puisque nous sommes une ville qui a connu plus de 6000 morts à cause de la pandémie. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas se contenter de subir la pandémie. Il faut renverser la situation et comprendre qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre. Il y a deux choses qui sont fondamentales à mon sens. D'une part, les citoyens doivent comprendre qu'il faut changer. On ne peut pas retourner à notre normalité précédente. Il faut changer les choses. Et bien entendu, il faut maintenant adopter ces tendances universelles qui existent partout dans le monde. Donc, les citoyens savent très bien qu'il faut une révolution environnementale et sociale. Alors, quel est le rôle de la politique? Ce n'est pas de déblatérer toujours les mêmes slogans, mais de montrer aux citoyens ce que l'on peut faire, de montrer aux citoyens qu'on a un plan très sérieux pour la ville, pour les villes, de façon à pouvoir réaliser cette transformation. C'est cela mon devoir. Donc avant tout, je crois que c'est un moment où il faut que le dialogue avec les citoyens fonctionne bien et que les citoyens comprennent qu'ils font partie de ce changement, de cette transformation. Alors certes, la ville de Milan avait déjà beaucoup avancé,
elle avait déjà tenté de promouvoir différents systèmes de mobilité. Elle y était parvenue pour changer les habitudes alimentaires aussi dans des villes comme Milan, pour changer les systèmes énergétiques, pour planter plus d'arbres, etc., etc. Mais il y a quelques points sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Et je voudrais aussi vous demander votre aide. Alors, vous savez qu'il y a Next Generation EU qui attribue énormément de fonds au pays, et beaucoup de fonds sont attribués dans ce contexte à l'Italie, très franchement. Avoir 220 milliards d'euros à investir, c'est du jamais vu pour l'Italie. Et donc, ces processus de transition, à partir de là, peuvent être accélérés, et c'est là que les villes ont un rôle à jouer, parce que ce sont les villes qui ont des projets concrets, sérieux, par exemple, ajouter une ligne de métro, mettre en place également des projets immobiliers avec des habitations à loyer modéré, donc ce sont des projets sérieux et concrets. Mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces fonds, ils sont engagés à 70% d'ici 2021, d'ici 2022, pardon, donc d'ici 18 mois. Qui peut faire de bons investissements? Ce sont les villes qui ont la capacité de le faire, parce que les villes ont déjà préparé des projets. Le dialogue, il a déjà eu lieu avec les citoyens. Nous savons ce qu'il faut faire. Les projets sont là. Et Milan est certainement la ville qui saura bien interpréter cette révolution verte, mais nous le ferons à la milanaise. Je crois qu'il faut accepter la logique de la croissance. Mes citoyens, mes concitoyens croient en la croissance, au plus plutôt qu'au moins, mais pas à une croissance qui repose exclusivement sur la consommation. Ça, personne n'y croit plus. Ils savent qu'il faut créer de bons emplois grâce à des investissements, par exemple, dans le domaine de l'environnement. Et je vais conclure rapidement pour laisser du temps aux autres. Alors, peut-être que « opportunité » n'est pas le terme, mais c'est un moment particulier et les villes sont les plus aptes à profiter de ce moment historique. Donc, Nous connaissons tout entre maires européens. J'ai envoyé une lettre à l'ex-présidente des réseaux des maires européens et une lettre à Angela Merkel pour dire qu'il faut donner des fonds aux villes et surtout pas des investissements ou de l'argent pour investir dans les énergies fossiles. Je crois qu'il faut aujourd'hui aller droit au but et je suis très optimiste quant au rôle que peuvent jouer les villes et tout particulièrement Milan. Je vous remercie. Merci beaucoup, vraiment, pour cette première intervention à Giuseppe Sala et justement, mentionner aussi les effets catastrophiques de la pandémie. On va aussi revenir à ce sujet et la question très, très importante du plan de relance, Recovery Plan, et comment les villes pourraient aussi en profiter. Et je crois aussi, c'est aussi un sujet qu'on va encore discuter. Mais avant cela, j'aimerais donner la parole ensuite aussi à Hilim Arslana. Et je voulais juste la présenter un petit peu. Hilim Arslana, elle est la présidente du conseil municipal de Francfort-sur-le-Main. C'est la deuxième position la plus importante à Francfort, à côté du maire, d'autant plus parce qu'elle est élue pour ce poste par les écologistes surtout. Et les écologistes, ce sont le groupe le plus fort à Francfort, dans le conseil municipal. Et c'est eux qui ont aussi formé une coalition avec les sociodémocrates, avec les libéraux et une partie qui s'appelle Volt, un parti pro-européen. Et maintenant, c'est eux qui, en fait, gouvernent la ville dans une sorte de cohabitation, de coopération avec le maire. Donc, et
Et elle-même, elle est née en Turquie et elle vit en Francfort depuis qu'elle avait 5 ans. Et elle a fait des études d'économie et elle a travaillé dans des entreprises et comme consultant aussi indépendant. Et comme vous savez, bien sûr, Francfort, c'est le centre, c'est la capitale financière de l'Allemagne avec la BCE et avec beaucoup de sièges de banques et la bourse la plus importante de l'Allemagne. Et c'est la ville la plus grande de la région de Hessen, comme on dit en allemand, mais ce n'est pas la capitale de Hessen, de Hesse. Souvent, on pense à ça, c'est Wiesbaden, mais c'est de loin quand même la ville la plus importante. Donc là, je donne la parole à Hilim Aslan. C'est à vous. Oui, bonsoir. Merci de cette invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Comme vous l'avez dit, je suis président du conseil municipal de Francfort depuis avril. J'étais conseiller municipal depuis 10 ans avant cela, pour les questions économiques notamment. Donc, c'était ma spécialité, mais évidemment, en tant qu'écologiste, je me suis évidemment toujours penché sur les questions d'environnement. Je suis heureuse de pouvoir avoir cet échange avec vous ce soir. Alors, vous pouvez l'imaginer, Francfort, comme toutes les villes d'Europe, pâtit de plus en plus du changement climatique et nous essayons de lutter contre en verdissant la ville dans les rues, sur les places. Nous sommes en train de faire en sorte que les toits des abribus soient également végétalisés. Nous essayons de végétaliser le plus de toits possible dans la ville. C'est une façon de rafraîchir l'air de la ville et donc de la rendre plus verte. Alors, bien sûr, une des difficultés que nous avons à Francfort, c'est que nous sommes une ville en croissance. Francfort grandit parce que c'est une ville qui attire du monde, mais ça veut dire aussi qu'il faut des logements, qu'il faut des infrastructures, des écoles, des crèches. Et là, on manque tout simplement d'espace, de place. Et donc, c'est un conflit d'intérêts auquel nous sommes confrontés depuis des décennies. Comment grandir en étant plus vert? Donc, nous avons mis en place une ceinture verte il y a longtemps et 30 ans plus tard, elle porte ses fruits. Ça constitue une bande de nature verte autour de la ville, une bande qui ne peut pas être constructible. Alors, lorsqu'on a réfléchi à cette ceinture verte il y a 30 ans, on commençait déjà à parler du changement climatique, mais on ne connaissait pas l'ampleur des dommages. Et aujourd'hui, de nouveau, nous devons protéger ces espaces verts parce qu'on veut créer du logement, créer des écoles. Et donc, on oppose en fait les intérêts du verdissement et de l'agrandissement de la ville. Mais nous sommes ceux qui ressentons le plus les conséquences du changement climatique et qui en souffrent le plus. Quelles sont les personnes les plus touchées? Ce sont les personnes socialement les plus faibles. Parce qu'à Francfort aussi, les quartiers les plus verdis, avec le plus de parcs, sont aussi les quartiers les plus chers. Donc, il faut relever ce défi et nous ne pourrons pas le relever seuls. Nous avons 720 000 habitants dans Francfort, 5,5 millions dans la métropole. Donc, il faut des logements, des zones résidentielles, mais à des tarifs abordables. Et il faut intégrer le réseau de transport de l'ensemble de ces zones résidentielles. Alors, on peut s'appuyer sur l'exemple de cette ceinture verte qui peut fonctionner. Et depuis quelques années, nous avons créé un réseau vert qui traverse la ville et qui s'articule autour de la ceinture verte avec des voies piétonnes, des voies cyclables. Parce que c'est toujours à la
périphérie que sont renvoyées les familles qui ont moins d'argent et les familles plus nombreuses. Et donc, il est important que dans toutes ces zones, il y ait aussi de la verdure. Souvent, les habitants de la périphérie doivent se rendre au centre-ville en journée et doivent parfois utiliser pour cela leur voiture. C'est un problème commun à de nombreuses grandes villes. Donc, notamment pour tous les centres, les data centers et les centres de calcul qui peuvent s'installer, eux, à la périphérie, mais pour lesquels il faut aussi envisager d'exploiter au maximum la chaleur qu'ils dégagent, notamment pour une cogénération. Ce sont aussi des éléments sur lesquels on peut travailler pour avancer dans le bon sens. Les communes sont aussi celles qui sont les plus proches des citoyens et qui peuvent donc contribuer à montrer que la protection contre le changement climatique, ce n'est pas toujours un renoncement, c'est aussi une nouvelle façon de concevoir et de partager l'espace public. À Francfort, l'année dernière déjà, nous avons créé une alliance pour le climat. Cela signifie qu'entre les partenaires de la coalition municipale, nous y étions trois à l'époque avec les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, nous avions dit que la protection contre le changement climatique, c'était une mission transversale. Ça ne pouvait pas concerner seulement les services d'environnement ou seulement les services de voirie. En fait, tous les services de la ville sont concernés par la lutte contre le changement climatique. La rénovation des bâtiments, par exemple, doit être organisée de manière plus durable. Ça vaut donc pour la rénovation du bâti ancien, mais ça vaut aussi pour les constructions nouvelles. Et puis, pour ce qui est des bâtiments publics, il y a obligation de veiller à l'environnement dans leur rénovation. Pour les ménages privés, c'est une autre affaire. Il faut les y inciter pour les amener à entreprendre des rénovations de bâtiments de plus en plus durables. Il faut donc intégrer l'ensemble de ces actions à travers des coopérations qui nous permettent de lutter contre le changement climatique sans créer de problèmes et sans créer de conflits d'intérêts, notamment par rapport à la justice sociale. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention et j'attends avec intérêt nos discussions. Merci infiniment, chère Madame Arslaner. Vous avez déjà abordé des questions importantes, notamment l'adaptation des villes au réchauffement. Et ça vaut aussi pour les villes plus au sud, comme c'est le cas de Milan, où le problème est peut-être encore plus aigu. Alors, je voulais profiter de l'occasion pour indiquer à notre public que vous pouvez aussi poser des questions. Vous pouvez cliquer sur « Questions et réponses ». Vous pouvez déposer des commentaires dans le fil de conversation. Alors, le maire de Milan a évoqué les nombreux décès liés à la COVID. La situation a été dramatique aussi en France et nettement moins dramatique en Allemagne, même si nous avons, nous aussi, beaucoup souffert. Alors, je voudrais maintenant donner la parole à Bruno Bernard pour sa première intervention. Il est président de la métropole de Lyon, de la région métropole, depuis l'année dernière, après la victoire aux élections municipales. Dans de nombreuses métropoles, des candidats d'Europe Écologie Les Verts. Donc, les Verts ont remporté la mairie de Lyon et la présidence de la métropole. C'est une
région qui réunit la ville de Lyon et 95 communes. Et Lyon est la troisième ville de France. Et avec la région métropole, c'est le deuxième centre économique de France, après l'Île-de-France, donc la région parisienne. C'est donc un des grands acteurs économiques du pays. Et Bruno Bernard lui-même a fait des études d'ingénierie pour le bâtiment. Il a ensuite fondé une entreprise qui s'est spécialisée dans la rénovation des bâtiments et le désamiantage. Donc, c'était aussi une préparation à la vie politique dans laquelle il s'est engagé. Donc, j'attends avec intérêt ce que vous allez nous dire, Bruno Bernard, sur la manière dont la métropole de Lyon avance dans la lutte contre le changement climatique. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Merci bien à la Fondation Heinrich Böll de cet échange. C'est toujours intéressant de voir quelles sont les expériences des uns et des autres, même si avec les premières interventions, on voit qu'on a un petit peu les mêmes sujets. Alors, on est arrivé il y a un an aux responsabilités dans un contexte naturellement d'urgence climatique, mais en plus avec l'urgence sanitaire qu'on a connue qui a aggravé les difficultés sociales et économiques de nos territoires. La métropole de Lyon, c'est 59 communes, 1 400 000 habitants et un statut très particulier puisque selon les pays, les collectivités fonctionnent différemment. Mais en plus, nous, nous sommes les seuls à fonctionner en France comme nous avons un statut particulier, la métropole de Lyon, puisque nous avons les compétences d'une agglomération plus les compétences d'un département en même temps et on a aussi en charge les transports en commun. Donc, c'est probablement aujourd'hui la collectivité en France qui a le plus de capacité à agir pour les habitants, pour la protection du climat ou pour des politiques plus sociales. C'est tout budget confondu qu'on gère 5 milliards d'euros de budget annuel et puis c'est 6 milliards d'euros de budget d'investissement pour le mandat. Et dernière particularité de la métropole de Lyon, c'est que nous sommes la seule métropole à être élue au suffrage direct des habitants, ce qui nous a permis d'être aux commandes de cette métropole, sinon on n'aurait jamais pu l'être. Et nous avons aujourd'hui 58 élus écologistes sur 150 élus de la métropole. Il y avait ces élus de gauche qui nous permettent d'avoir une majorité. Donc, on a depuis un an transformé les politiques. D'abord, tout ce qui est lié aux mobilités, où nous avons doublé les investissements dans les transports en commun en les portant à 2,5 milliards d'euros, avec notamment 25 km de tramway supplémentaires qui sont faits dans les quartiers populaires, notamment les banlieues est de l'agglomération qui attendaient ces modes de transport depuis des dizaines d'années. Et c'est fait partie des premiers actes que nous avons posés, donner une priorité aux transports en commun en périphérie plutôt que dans le centre où nous étions déjà relativement bien servis. Et parallèlement à ça, on a fait une politique de tarification sociale des transports avec notamment la gratuité des transports en commun pour les plus précaires. C'est déjà 60 000 habitants qui aujourd'hui ont une carte gratuite de nos transports en commun. Comme à Strasbourg, on cherche à multiplier les déplacements en vélo avec un réseau express vélo qui va être mis en place dans le mandat, 250 km. Pour sécuriser les voyageurs et arriver à toucher plus de public sur le vélo. Et puis, dans tous nos projets, on cherche à augmenter la place du piéton pour avoir des espaces beaucoup plus larges. Et parallèlement à ces alternatives qu'on crée à la voiture individuelle, on a pour ambition d'interdire les véhicules diesel au cœur de l'agglomération en 2026, sauf dérogation, puisqu'il faudra quand même que tout le monde puisse continuer à travailler dans notre agglomération. On a aussi beaucoup travaillé en termes d'urbanisme pour sanctuariser les terres agricoles, protéger nos espaces naturels et essayer de lutter contre l'étalement urbain. On a naturellement le même problème de foncier qu'à Francfort et on essaye de densifier là où il y a des transports en commun, des lignes fortes de transports en commun, de densifier ici et de respirer plutôt ailleurs. On réoriente aussi les projets urbains pour avoir beaucoup plus de logements sociaux. On travaille avec le bail réel solidaire qui permet une accession à la propriété en achetant que le bâtiment sans acheter le foncier, ce qui permet à un public qui ne pouvait pas acheter d'acheter deux fois moins cher à peu près que le prix du marché.
sans pouvoir avoir en plus de spéculation sur ces logements, ce qui nous permet de lutter contre la spéculation immobilière, puisqu'on a des prix de logements qui augmentent beaucoup trop vite et beaucoup trop fort dans l'agglomération. Donc, on a une large politique foncière aussi pour contrôler beaucoup mieux les projets urbains. Et puis, nous avons aussi décidé de faire l'encadrement des loyers sur le cœur de l'agglomération. Au travail, mais ça a été dit aussi par d'autres, sur la rénovation thermique des bâtiments, des logements en particulier. On est aussi en train de travailler sur un développement économique plus équilibré, d'abord avec les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes autour de nous, pour arrêter d'être dans une compétition avec nos voisins, mais bien dans une coopération. Donc, on travaille à schéma d'achat responsable, puisqu'on est le plus gros acheteur du territoire, avec les entreprises qui nous accompagnent, pour voir comment, au fil des années, on va créer des critères vertueux pour avantager les entreprises qui accompagnent la transition écologique. Donc, des critères environnementaux, des critères sur l'insertion ou encore des critères sociétaux, par exemple, pour avantager les entreprises qui embauchent des personnes en situation de handicap ou qui ont une politique salariale d'égalité entre les femmes et les hommes. On a réaffirmé notre vocation industrielle du territoire et on accompagne actuellement vers la sobriété énergétique les entreprises, notamment de la vallée de la chimie, qui représente un poids d'activité important sur la métropole de Lyon. Avec les entreprises, on cherche à créer des liens pour favoriser l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. Et parallèlement, on a créé un revenu de solidarité pour les jeunes. Nous sommes la première collectivité à le faire, puisqu'en France, le RSA ne concerne pas les moins de 25 ans. Et on a créé une aide pour éviter que des jeunes qui sont en grande difficulté tombent dans la pauvreté extrême et se retrouvent à la rue sur notre territoire. On travaille naturellement sur les questions environnementales avec un plan nature, qui nous permet de protéger la biodiversité, de protéger le climat, mais aussi de donner l'accès à la nature aux habitants. Ça a aussi un rôle social dans nos politiques. C'est des prairies fleuries, c'est des forêts urbaines, c'est une végétalisation de nos espaces publics. On a également décidé de retourner en régie publique sur la gestion de l'eau, qui est une de nos compétences et qui est importante. On a aussi un plan agricole, donc je ne vais peut-être pas aller trop loin parce qu'on a tellement de politiques que je pourrais être trop long. Et je suis impatient qu'on puisse échanger, que nos équipes puissent échanger, maintenant qu'on peut se déplacer, sur les politiques des uns et des autres dans les années qui viennent. Merci. Merci beaucoup, Bruno Bernard, aussi pour cette première intervention. Et j'aimerais bien, pour un deuxième tour de notre table ronde, avant de revenir sur les questions dans le chat et dans le Q&A, j'aimerais poser une question aussi à tous les quatre. C'est justement si on peut, en ce moment, on peut voir, pendant la campagne électorale en Allemagne, ainsi que aussi déjà en France, que les Verts, et en France aussi directement les Verts, les maires verts et vertes, ils sont très fortement attaqués parce qu'il y a quand même beaucoup de forces politiques et autres, et aussi des groupes d'intérêt et autres qui essayent de dire et de montrer qu'une telle transition écologique et sociale, ça aurait comme effet et comme résultat beaucoup de restrictions, des interdictions et beaucoup de désavantages. Donc, ça, c'est un peu l'histoire. Donc, la question, c'est. Ce sont deux questions, mais qui vont dans la même direction. C'est justement comment on peut la transition écologique et sociale contribuer à améliorer la qualité de vie et la situation aussi sociale et économique vraiment des citoyens, et comment on peut aussi arriver à obtenir, à avoir des majorités politiques, mais aussi parmi les citoyens, pour une telle transformation et transformation, comment les faire avec tout le monde et justement, et comment essayer, on peut vraiment aussi convaincre par des actions très concrètes, parce que ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire au niveau local, que là, c'est très, très concret aussi, la politique, donc c'est quelque chose qui peut être ressenti ou pas très directement par les citoyens. Peut-être j'aimerais aussi, avec cette question, de commencer avec Jacques Bersiquian.
Voilà, je suis bien sur le bon canal. Merci Jens pour cette question. Alors, par rapport à ce que tu disais en introduction, c'est vrai que en France notamment, et on l'a vu dès la campagne des municipales, la campagne électorale l'année dernière, il y a beaucoup de fantasmes autour des Verts au pouvoir, tout simplement parce que les Verts étaient peu ou pas au pouvoir en France. Ils étaient généralement plutôt, il y avait des élus, voilà, mais il y avait des élus surtout dans l'opposition ou alors minoritaires dans des majorités. Et donc le fait qu'il y avait bien sûr aussi déjà des maires écologistes en France, mais sur des plus petites communes. Et là, le changement qui a été opéré l'année dernière avec ce que tu appelles cette vague verte en France, c'était justement le fait de voir basculer de grandes villes et métropoles françaises avec des équipes écologistes au sens large, parce que souvent, c'est pas forcément des équipes purement écologistes. Si je prends l'exemple de Strasbourg, et ça répond à une partie de ta question, le mouvement qu'on a initié pour les municipales à Strasbourg, c'était un mouvement très ouvert avec certes des écologistes, et j'en fais partie, mais aussi des personnes issues d'autres formations politiques de gauche, des régionalistes également, et puis une très grande majorité de citoyens engagés dans la ville, mais qui n'avaient jamais fait de politique. Et donc, je dis que ça, c'est une première réponse à la question parce qu'on a vu vraiment venir dans une démarche qu'on a voulu très ouverte et très horizontale, très participative, très accessible aussi, hein, avec des moments conviviaux, des moments festifs. On a vu arriver des personnes dans la dynamique qui n'avaient jamais fait de politique en tant que telle, mais qui avaient envie de transformer leur ville, qui avaient envie de lutter contre les inégalités, qui avaient envie de s'engager contre le changement climatique, notamment parce qu'ils ont des enfants en bas âge et qu'ils avaient pris conscience de l'urgence d'agir. Et donc, déjà, on s'est beaucoup appuyé sur ces mouvements-là qui étaient déjà présents dans la ville et qui ont été amplifiés, je dirais, au moment de cette campagne électorale. Donc, rien que la participation à la campagne dans quelque chose de très ouvert est une partie de la réponse et permet d'emmener, je dirais, une grande partie de la société qui est déjà convaincue qu'il faut bouger, qu'il faut agir. Ensuite, sur les mesures qui ont été mises en place, c'est intéressant de voir les mesures qui remportent le plus de succès et d'adhésion. Et c'est souvent des mesures qui cochent un peu toutes les cases, hein. Bruno Bernard en parlait, il parlait de la tarification sociale pour les transports. À Strasbourg, on a pris la décision de rendre gratuits les transports pour les moins de 18 ans, tout le réseau de transports en commun. La mesure va s'appliquer à partir du mois de septembre. Eh bien, en tant que maire, je suis souvent interpellée plutôt pour être critiquée, pour qu'on me dise ce qui ne va pas. Mais depuis plusieurs semaines, eh bien, les gens m'arrêtent dans la rue pour me remercier de cette mesure de gratuité des transports pour les moins de 18 ans, parce que ça a un impact très concret dans leur quotidien. C'est pour une famille la possibilité d'économiser jusqu'à 600 euros par an. C'est des gros budgets. C'est aussi parfois de la paperasse en moins. Et en tout cas, c'est bien sûr une mesure de transition écologique, parce que ça va inciter dès le plus jeune âge à prendre les transports en commun. Donc, ça va réduire les gaz à effet de serre. Mais ça a un impact financier et donc social immédiat pour les familles. Et donc, je crois que c'est vraiment ce type de mesure qui va être très, très incitative. Un autre exemple, c'est les cités fertiles. C'est des projets d'agriculture urbaine dans des quartiers prioritaires politiques de la ville, dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup de chômage. Et donc, non seulement on va venir transformer et améliorer le quartier avec de la végétalisation, des plantations, du maraîchage, mais on va permettre à des personnes de ces quartiers de travailler, d'accéder à un emploi. On va leur permettre aussi d'avoir accès à des produits locaux et de qualité qui auraient été
produits dans leur quartier. Et donc, on voit qu'on est sur des chaînes extrêmement positives qui vont aussi générer du lien social, revaloriser le quartier, le mettre en valeur. Donc, c'est vraiment ce type, je dirais, d'initiative qui coche les différentes cases de cette dimension écologique, bien sûr, mais finalement, de remettre du lien social, de la justice sociale, de lutter contre les inégalités et puis de faire participer un maximum de personnes. Je donne peut-être un dernier exemple aussi et qui est vraiment poussé par les habitants. Je sais que c'est aussi le cas à Lyon, ce qu'on appelle les rues scolaires ou les rues écoles. On va venir apaiser ou piétoniser les abords des écoles en fermant la rue, ou soit à certaines heures, soit de manière pérenne. Et en fait, c'est extrêmement apprécié. Donc, c'est bien sûr, c'est une mesure écologique au sens où ça va inciter à venir plutôt à pied, à vélo, avec les transports en commun. Mais le premier avantage que voient les gens, c'est la sécurité pour leurs enfants, parce que les abords des écoles sont plus apaisés, plus pacifiés, avec moins de risques d'accident pour leurs enfants. Donc, en fait, c'est quand on arrive à être sur des choses extrêmement concrètes et qui cochent ces différentes cases qu'on remporte évidemment une adhésion majeure et qu'on montre que finalement, l'écologie, c'est souvent et avant tout des mesures de bon sens et qui viennent améliorer le quotidien. Merci, Jeanne, aussi pour ces exemples très concrets qu'on dit souvent aussi « best practice ». J'aimerais aussi poser la question à Giuseppe Sala. Monsieur le maire, vous avez aussi parlé du fait que ce n'est pas facile de parler des chances et des possibilités en ce moment, et aussi justement du risque ou du moment décisif, parce que là, on a un moment décisif avec tous les moyens d'investissement, des possibilités d'investissement avec le plan de relance, Recovery Fund, aussi au niveau européen. Donc, comment vous faites pour maintenant, pour aussi vraiment prendre ces possibilités, ouvrir des chances et montrer aux citoyens de Milan que c'est vraiment aussi une possibilité pour améliorer leur qualité de vie et aussi leur situation économique et sociale? Ah, pardon. Vous m'entendez? Moi, je crois qu'il faut aussi essayer de donner une interprétation politique à la question qui porte sur la question de savoir comment les mouvements verts avancent dans certains pays, comme en Italie d'ailleurs. Mais ce que je tiens à vous dire avant tout, c'est qu'à Milan, j'en ai pas beaucoup parlé par le passé, enfin tout à l'heure, et je ne vais pas me concentrer là-dessus aujourd'hui, mais vous savez qu'à Milan, nous procédons à une transformation radicale de la ville en rallongeant le réseau de métro, en créant beaucoup de pistes cyclables, ce qui crée des polémiques du côté de l'opposition. Plutôt que de changer toute la flotte des bus pour passer entièrement à des bus électriques. Et nous, nous avons confiance en les citoyens. Ils voient tout cela et à partir de là, ils seront à nos côtés. Mais je voudrais revenir au caractère politique de la question, car en Italie et dans le sud de l'Europe de façon générale, j'insiste là-dessus, la dimension du pacte vert est encore très, très limitée. Alors, en Italie, il y a peut-être 2% des personnes qui véritablement connaissent ce pacte vert. Alors, que faut-il faire et pourquoi ? Mon objectif, ce n'est pas de critiquer quiconque ou quoi que ce soit. Mais bon, ça fait de nombreuses années que nous sommes dans cette situation. Notre pays a des particularités. En dehors de cette attitude très latine, très conservatrice. Mais en Italie,
le taux d'actifs est bien inférieur à la France et à l'Allemagne. Je veux dire, on est à 15% en dessous au moins. Donc, il y a un problème au niveau de l'emploi. C'est un problème énorme. Et donc, je le disais, nous sommes à un tournant historique. Et ça, je crois que les citoyens le sentent bien, car le système sanitaire italien, il fonctionne. Le système scolaire, il fonctionne très bien aussi. Donc, les services de base, eh bien, sont d'excellente qualité en Italie. J'en suis absolument convaincue. Mais nous n'avons pas suffisamment d'emplois. Donc, il faut que les idées vertes soient associées à la question de l'emploi. Il faut comprendre que la croissance doit être axée sur des emplois de qualité plus justes, plus verts. Les choses peuvent changer. Et là, nous sommes à un tournant. On ne peut pas se permettre de continuer comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Alors, bien entendu, chaque choix doit être bien réfléchi. Sur des principes généraux, nous sommes tous d'accord. Mais ensuite, quand les choses deviennent concrètes, là, ça devient plus difficile. Alors, certainement, on ne peut jamais se mettre d'accord sur tout. C'est une évidence. Mais je crois que si nous disons « nous » à tout, on n'avancera pas. Je crois que nous ne devons pas aller contre nos principes, nous devons insister sur les principes des écologistes. Je vous le dis parce que je pense que c'est comme ça, j'en suis convaincue. C'est le moment de renforcer le dialogue avec le gouvernement, avec les citoyens. Il faut que nous soyons plus proactifs. Il faut demander plus de fonds pour les investissements verts, mais dans l'objectif d'agir concrètement, encore une fois. L'Italie aura un problème énorme si elle n'arrive pas à trouver un nouvel équilibre entre les actifs et les non-actifs, parce que notre population vieillit constamment. On ne peut pas se contenter de vivre de subventions. Et puis, la période de la pandémie a justement renforcé cette logique des aides, des subventions. C'était nécessaire, mais on ne peut pas être axé là-dessus pour l'avenir. Et donc, je vous le dis en toute franchise, à mon sens, ce type de transformation s'impose. Nous le ferons tout en restant fidèles à nos principes. Et en Italie, je crois que nous pourrons trouver un consensus. On n'y arrivera pas comme en Allemagne parce que c'est un processus long, mais on le voit. En France aussi, les choses bougent. Donc, de mon côté, je jouerai mon rôle. J'essaierai de faire avancer les choses à Milan et d'apporter la preuve que l'on peut être écologiste, j'essaierai de profiter de ma visibilité et puis de mon passé aussi de cadre de grande entreprise qui me met dans une position assez particulière. Donc, je veux faire du bon boulot pour Milan. Donc, c'est maintenant ou jamais qu'il faut agir. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Giuseppe Sala. Vous avez effectivement abordé un point très important. Lorsque la situation économique était déjà difficile, elle a été encore aggravée par la pandémie et donc il faut saisir l'occasion d'une relance verte pour faire avancer aussi l'économie. Alors, je voulais donner la parole à Elimia Slaner. Oui, elle est là. Le temps file, donc je voulais essayer d'intégrer les questions qui arrivent aussi dans le chat, mais avant cela, comment faites-vous?
quelle est la difficulté à créer des majorités pour parvenir à une transformation écologique. La situation n'est pas simple à Francfort. Vous travaillez avec le SPD, mais il faut aussi une coalition plus large. Comment est-ce que ça s'organise? Et puis, une question, des questions concrètes auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Quels sont les principaux obstacles, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments? Et puis une autre question qui rejoint la question des majorités. Comment faire en sorte que cette attitude générale du « not in my backyard », je veux bien que les autres fassent quelque chose, mais il ne faut pas que ça me perturbe moi. Comment est-ce que vous gérez ça, notamment sur les projets de mobilité? Et puis aussi, parce que Giuseppe Sala vient d'en parler, et puis la question est également posée par Christina Putz, est-ce que vous considérez que ce plan de relance européen peut constituer aussi une chance pour Francfort, pour avancer sur le pacte vert? Donc, ça fait beaucoup de questions et je vous demande, si possible, de ne pas être trop longue dans vos réponses également. Très brièvement, au cours des 5 dernières années, nous avons été en coalition à 3, avant cela dans une coalition à 2 avec les chrétiens démocrates. Donc, ils ne sont pas forcément d'emblée très ouverts aux questions environnementales, mais nous avons quand même bien avancé. Alors maintenant, avec les sociodémocrates, ils ont en principe, sur le papier en tout cas, une vision assez similaire, mais on voit qu'au plan européen, les partis évoluent et prennent conscience des problèmes qu'il faut résoudre. Avec les libéraux, c'est un petit peu plus difficile de faire entendre la cause écologique, mais nous y parvenons ici ou là. Nous parvenons à les sensibiliser aux questions d'environnement, parfois à travers d'autres thèmes. Mais bon, au final, c'est une question de politique. Et donc, nous avons conclu un contrat de coalition tiré à 75% de notre programme électoral. Donc, nous sommes très confiants. Nous devons pouvoir faire avancer ces sujets environnementaux. Évidemment, il va falloir les mettre à l'épreuve du temps sur les 5 prochaines années. Mais en tout cas, ce contrat de coalition est bien partie et donc nous sommes confiants. En ce qui concerne les obstacles et les difficultés de l'isolation thermique des bâtiments, évidemment, la rénovation énergétique, c'est cher, c'est compliqué et ça représente des budgets importants pour les bâtiments publics qui doivent être financés sur les budgets de la commune. Pour les bâtiments privés, c'est encore plus compliqué. Mais là aussi, il faut agir avec une volonté politique pour exercer la pression politique comme nous l'avons fait au cours des dernières années. Et nous espérons nous afficher, nous affirmer davantage dans la politique fédérale, mais il faut en tout cas concentrer les énergies et pour cela maintenir la pression. Et Francfort est la capitale allemande des bâtiments passifs, autrement dit les bâtiments que nous construisons sont conçus de façon à ne pas avoir besoin de climatisation, y compris les jours de grande chaleur, ce qui permet aussi de réduire les émissions de CO2. Donc ça, c'est quand même un point concret. Et puis, pour ce qui est du pacte vert, je le disais, à Francfort, nous avons considéré que ces questions ne doivent pas être abordées seulement à l'échelle de la ville, mais à l'échelle de la région métropole. Et donc, tout cela passe par des échanges avec nos partenaires à l'échelon européen. C'est un facteur très important que celui de l'échange. Et il faut évidemment s'y engager d'arrache-pied. Mais
quand on voit ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, je crois qu'à l'échelon politique, la prise de conscience est bien réelle de l'intérêt et de l'importance des questions économiques. Et donc, il faut s'appuyer sur les communes qui ont les projets. Et il ne suffit pas de proposer des aides, de mettre à disposition des moyens financiers. Ceux qui ont recours à ces aides savent à quel point c'est compliqué d'accéder aux aides européennes. C'est un effort bureaucratique important et ça peut en dissuader certains aussi. Oui, merci, vraiment. Pour justement ce point que, oui, ça c'est un grand défi avec pour avoir des fonds de la Commission européenne. Justement, peut-être Bruno Bernard aussi, à vous la question un peu qui, ou les plusieurs questions qui ont été posées aussi dans le chat et dans le Q&A, la question sur les plus grands obstacles pour la rénovation thermique. Vous êtes aussi quelqu'un qui est du métier, d'une certaine façon aussi. Donc, je crois que vous êtes une vraie experte aussi pour cette question. Et les questions qu'on avait aussi, justement, sur quelle manière les intervenants ont pu trouver pour faire face aux positions de Northumbrian Becker qui refusent d'entendre les arguments, notamment sur la réduction de la pollution sur les grands projets de mobilité et de développement des transports communs. Et aussi, comment vous voyez les possibilités maintenant de pacte vert européen et du plan de relance au niveau européen, comment est-ce que vraiment une métropole comme Lyon peut en profiter? Bruno Bernard, c'est à vous. Merci. Moi, je commencerai par revenir sur la question des oppositions que l'on a pour mener nos politiques. Les lobbies ont été cités comme une opposition. Néanmoins, je trouve qu'avec le monde économique, les choses se passent de mieux en mieux. Qu'on a plutôt des acteurs qui veulent travailler avec nous, naturellement par intérêt économique, mais pas seulement. Les entrepreneurs évoluent beaucoup plus vite que d'autres décideurs politiques, par exemple, ou même qu'une partie de la population, sous la pression souvent d'ailleurs de leur famille, de leurs enfants. Ils ont une pression telle sur les questions environnementales, climatiques, de déchets, qu'ils évoluent très vite. Et moi, je suis tout à fait convaincu qu'on peut s'appuyer sur l'économie pour développer l'écologie, qu'on redonne un sens à l'économie, qu'ils en ont besoin, notamment pour continuer à embaucher des salariés qui eux-mêmes ont besoin de retrouver du sens dans leur vie, dans leur travail, dans leur alimentation. Donc, je serai assez optimiste sur ce point-là. Après, nous sommes attaqués par nos adversaires politiques pour deux raisons. La première, c'est qu'ils se passent les postes et le pouvoir depuis 20 ans entre la gauche, la droite, le centre, mais que ce sont toujours les mêmes, et nous voir arriver leur crée forcément des difficultés, une frustration, et ils considèrent quelque part que nous ne sommes pas légitimes, notamment avec le fait qu'on ait énormément d'élus qui viennent du milieu associatif, qui viennent des entreprises et qui n'étaient pas dans le sérail politique. Et puis, nous représentons en France aujourd'hui un concurrent sérieux pour prendre le pouvoir au niveau national. Je crains que ça soit un peu juste pour 2022. On a eu des succès importants l'année passée aux élections municipales, mais on est un peu déçu des résultats des élections régionales qu'on vient d'avoir. Ou si on progresse nettement et qu'on double notre nombre d'élus, néanmoins, on ne gagne aucune région. On a encore besoin de travailler. On a encore besoin de travailler malgré nos structures qui est très faible en France, qui est sans aucune mesure avec la structure allemande, par exemple, en termes d'organisation du parti politique. Et en tant qu'élu local, il faut qu'on arrive à convaincre encore les habitants et ceux qui aujourd'hui ne sont pas convaincus. Parce qu'on a un programme et des propositions qui sont tellement radicales que pour arriver à avoir des majorités, il faut absolument qu'on soit adroit dans notre façon de communiquer, qu'on arrive à relier les questions environnementales, les questions sociales, à être dans le concret. Et c'est avec les exemples de nos politiques locales en France, dans les communes, dans les métropoles que nous dirigeons, que nous pouvons arriver à ça. Et il faut vraiment toujours, enfin moi je suis toujours, quand on veut sortir les véhicules diesel de l'agglomération de Lyon, je vous assure que c'est très difficile. Ça veut dire qu'il faut qu'on sorte quasiment les deux tiers des voitures qui circulent aujourd'hui et qu'on interdise à ses habitants de circuler avec ces voitures. Et donc, pour arriver à cet objectif un peu fou, il faut vraiment faire preuve de pédagogie toujours, toujours et toujours. Merci.
Ça, c'est un très bon point, justement. C'est presque aussi de votre côté une sorte de mot de clôture, la pédagogie, vraiment convaincre. Il me semble aussi avec des différents modèles de participation, que je sais qu'ils sont déjà mis en place aussi dans beaucoup des villes qui sont gouvernées par des écologistes dans les différents points de l'Europe. Là, on est pratiquement déjà à la fin. J'aimerais vous donner la possibilité pour un petit mot de clôture à chacun et chacune de vous, mais vraiment très, très court. Et peut-être vous pourriez aussi dire à la fin un petit mot sur les possibilités, ce qu'il y a déjà pour justement faire avancer une telle transformation sociale et écologique avec des moyens de partenariat, donc en coopération avec d'autres villes en France, en Allemagne, en Italie. Est-ce qu'il y a des projets? Comment vous voulez faire avancer? Mais s'il vous plaît, justement vraiment très court parce qu'on est déjà pratiquement à la fin et ce serait d'abord à vous, Jeanne. Oui, merci. Juste pour vous remercier de cette soirée, de cet échange, dire qu'il y a des projets très concrets dans les villes qui étaient représentées ce soir et qui sont particulièrement intéressantes. À Milan, Strasbourg s'est très largement inspiré de la politique d'agriculture urbaine, mais aussi des projets, des financements participatifs et du, je sais plus comment ça s'appelait, le financement municipal qui permettait de doubler du financement participatif citoyen pour des projets socialement innovants. Donc des choses vraiment, vraiment intéressantes. Et donc, juste vous dire que, évidemment, Strasbourg aussi, avec sa vocation européenne, souhaite pouvoir continuer de travailler en réseau avec les différentes villes européennes, avec les réseaux existants, mais aussi à travers ce type d'échange. Et je suis convaincue qu'on peut vraiment s'inspirer et continuer de s'inspirer des expériences très concrètes les uns des autres. Et il y a fort à faire. Donc, à votre disposition pour poursuivre les échanges, je l'espère, à Strasbourg cet automne. Merci beaucoup. Merci Jeanne, vraiment pour ça aussi, pour être si bref. Et Giuseppe Sala, comment faire avancer la transition en coopération et avec des partenariats avec des autres villes en Europe? Est-ce que vous m'entendez? Je crois que il faut renforcer nos systèmes de mobilité parce que vous savez, toutes les villes européennes ont les mêmes problèmes. Et je dois dire que pour moi, c'est plus facile de convaincre les citoyens de Milan de changer quand je leur dis, regardez, les autres grandes villes européennes évoluent dans le même sens. Donc, je crois qu'en matière de mobilité, on peut coopérer à l'échelle européenne en partageant un grand principe, à savoir ne pas seulement réfléchir au niveau des grandes villes, mais au niveau de chaque quartier, que chaque quartier retrouve sa dignité, veiller à ce que les gens n'aient plus besoin de tant bouger d'un quartier à l'autre, créer la ville du quart d'heure. Et voilà, je crois que nous avons ici beaucoup de choses à partager. Merci. Merci, Giuseppe Sala. Merci également d'avoir été très bref. Alors, Ilémé Astana, pour un petit mot de conclusion également. Bon, je crois que les points importants ont déjà été abordés par mes collègues. Ce que je voudrais ajouter, ce sont deux autres aspects. D'une part, très, très concrètement, un projet de tri des déchets. Et nous allons continuer d'y travailler. Parce que les déchets ménagers résiduels coûtent déjà de l'argent, mais les défauts de tri ne coûtent rien. Les autres tri, les autres modes de tri, papier, bio, déchets bio, ne coûtent rien. Donc, ça incite au tri. Ça, c'est un premier point. Mais ce qui est important surtout, c'est de commencer à éduquer les enfants au tri des ordures ménagères dès le plus jeune âge pour qu'ils prennent les bonnes habitudes.
Et nous avons ce projet à Francfort d'éducation en matière d'environnement. Et puis, on va consacrer une année aux questions du développement durable dans l'éducation. Oui, merci beaucoup. Vraiment, à Kilima Aslana et à vous, Bruno Bernard, pour vraiment le mot de clôture. Un grand merci pour cet échange. On va continuer à travailler ensemble. J'espère que nous allons pouvoir nous rencontrer à Milan, à Francfort ou à Strasbourg autour d'un bon repas et de quelques bouteilles de vin pour mieux se connaître. C'était quoi ? Merci beaucoup. Vraiment, un grand merci à vous, vraiment, nos intervenantes et intervenants de ce soir. Donc, vraiment, un grand merci à Hilema Aslama, à Jean Barsekian, à Bruno Bernard et Giuseppe Sala. Et je crois aussi, c'est à continuer cet échange, vraiment. Et ça vaut la peine aussi, même d'aller vers une sorte de réseau des maires et maires vertes et élus vertes en Europe. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait soutenir beaucoup cette transformation sociale et écologique, et avec les villes comme des moteurs importants et clés pour faire avancer cette transformation. Donc, merci aussi à Hélène Boucher pour l'introduction, et vraiment un grand merci aussi à l'équipe de Jeanne Barsekian, de la mairie de Strasbourg, et aussi à Julie Baird, et aussi les autres membres de mon équipe de la Fondation Manipel pour l'organisation. Et un très grand merci aux traductrices de ce soir, ce sont les traducteurs. Grâce à eux, on a eu cette possibilité de faire ça vraiment en trois langues et de discuter sans aucun problème en trois langues. Et maintenant, je veux vraiment vous souhaiter une très, très belle soirée et aussi dire que j'espère de vous retrouver demain matin à 9h30. On va continuer justement avec cette conférence en ligne sur la question des communes au cœur de la transition sociale et écologique. Merci vraiment et une très très belle soirée. Yeah. Wiedersehen.